une beauté sans égale. Avec toi, je me sens en confiance, peu importe l'audience. T'es beaucoup plus qu'un centre médical. À cause de toi, j'ai vu des gens s'entretuer, des familles être séparées, des viols être commises et des armées des être construises. Tout cela à cause de toi. Toi qui es si faible et si fragile, si faible et si fragile, si faible et si fragile de manière à être géré par les sœurs. Oui, toi l'argent. C'est aujourd'hui que je me souviens de l'adage que mon père me disait que l'argent fait plus de sale que la boue. Ce même argent qui fait du sale aux gens, en séparant des cœurs comme celui de Jean et Jean, ne les laissant rien d'autre que du malheur. La caravane du livre et de la lecture qui a eu sa clôture ce samedi dans les enceintes de l'Alliance française de Gitega s'inscrit dans le cadre de la promotion du livre et de la lecture en milieu scolaire, mais également en famille. Longin Daiken Gurukie, il est directeur de l'Alliance française qui est un établissement culturel et linguistique. Il avance ici les raisons d'aimer la lecture. Nous sommes en train de travailler sur la promotion de la lecture en milieu scolaire et en famille. Et nous venons terminer une caravane, c'est juste un mois de lecture intensive en milieu scolaire et en famille. La clôture de cette caravane nous a bien montré que les techniques de formation que nous avons développées avec les jeunes et les parents ont été bien intériorisées et mises en œuvre. Et que les résultats, les espoirs sont là, que le livre et la lecture seront cette fois-ci une réalité en famille et à l'école. Doublé d'efforts dans la mise en disposition des centres de lecture aux jeunes et aux parents, tel est l'appel vibrant lancé par Longin Daiken Gurukie, directeur de l'Alliance française au gouvernement du Burundi. Je souhaiterais demander au gouvernement de faciliter l'accès aux livres. Le livre coûte cher quand nous arrivons à en avoir. Il faut vraiment mettre en place des facilités. Je dirais aussi que le gouvernement, interpeller le gouvernement à beaucoup plus ouvrir des centres de lecture comme il en a déjà fait via le format CLAC pour 100, une centaine de communes. Parler d'une cinquantaine seulement, c'est trop peu. Je voudrais aussi dire au gouvernement de donner toutes les facilités à la société civile qui opère dans la promotion du livre pour qu'on ait toutes les facilités à disponibiliser et à animer les sessions de bonne lecture dans les écoles et en famille. Du côté de l'Alliance française de Gitega, la promotion du livre et de la lecture ne s'arrête pas sur la clôture de la caravane. La caravane qui vient d'être clôturée, on clôture un exercice, mais on démarre un autre exercice. Le livre et la lecture doivent être développés, doivent être mis à disposition, doivent être lus par tous ceux qui en ont besoin. Et je ne pense pas qu'il y ait personne qui se soustrait à cette lecture. Les jeunes ont besoin de lire pour apprendre, ils ont besoin de lire pour comprendre, ils ont besoin de lire pour développer des connaissances et des savoirs. Les parents ont besoin de lire pour donner un bel exemple aux enfants, en famille, à l'école et dans leur environnement immédiat. Les parents qui ont présenté des résumés, des livres lus, les élèves qui ont présenté des livres, des résumés des livres lus, vont cette fois-ci devenir des ambassadeurs de lecture et constituer des clubs de lecture dans les écoles et des coins de lecture en famille. Nous allons nous atteler à beaucoup plus travailler à ce que ces élèves fassent mettre en place des clubs de lecture opérationnels et que les parents soient sensibles et sensibilisés pour que, même pas au cours des assemblées générales scolaires, on parle du livre et de la lecture. Pour apprendre. Les techniques de formation développées par l'Alliance française de Gitega avec les jeunes et les parents ont été bien intériorisées et cela donne espoir que le livre et la lecture seront une réalité en milieu scolaire et en famille. Les jeunes qui ont suivi cette formation en témoignent. Je m'appelle Nasra Falha, j'étudie au lycée communal urbain de Gitega en deuxième langue. Bon, la caravane du livre et de la lecture m'a beaucoup émue. Je dirais donc que je peux sensibiliser les jeunes, que ce soit les filles ou les garçons, de lire les livres
Les livres, ils contiennent beaucoup d'informations. On peut s'instruire en lisant les livres. Les livres contiennent beaucoup de secrets que l'on ne peut pas voir n'importe où. Les livres, il y a des secrets que les gens ne connaissent pas. Je m'appelle Samuela Koli Himbaza. J'étudie à l'école Social School Kokadu. Bon, moi, ce que j'ai gagné dans cette caravane, j'ai gagné beaucoup de choses, plein de choses. Moi, avant, bon, je lisais peu de livres. Par exemple, 3 livres en une seule année. Mais vraiment, c'est très peu. Mais maintenant, je sens que je peux lire beaucoup de livres. J'ai eu des formations très fascinantes. Vraiment, ça a été une très bonne caravane. On en tire beaucoup de vocabulaire, d'expression. C'est la source des savoirs. C'est vraiment, c'est un trésor caché. Mais que beaucoup de personnes ne savent pas lire, c'est quelque chose de précieux. La caravane a duré 1 mois. Au cours de cette période, les jeunes et les parents choisis pour participer ont pu parcourir des livres des écrivains burundais. Il s'agit entre autres du livre Inkomedi d'Ivan Mukwizera, écrit par Denise Buchumi, L'homme de ma colline, écrit par Joseph Chimay et bien d'autres. La clôture a vu la participation des établissements comme Regina Pachis, École d'Excellence, Hope Future School, mais également les professeurs, enseignants et les lecteurs.